Bonjour. J'ai commencé par être médecin nutritionniste en face à face avec des patients. Et puis, voyant que ma méthode avait une certaine efficacité, j'ai voulu en faire profiter d'autres et élargir mon champ. Je voyais une douzaine, une quinzaine de personnes par jour. Ça me semblait pour moi suffisant, mais dans la perspective de modifier un peu la trajectoire du surpoids en France et ailleurs, je pensais qu'il valait mieux s'adresser avec un livre déjà à beaucoup plus de monde. Je ne savais pas, quand j'ai écrit ce livre, j'espérais une dizaine de milliers de personnes. Et progressivement, c'est devenu un best et un long-seller. Ça m'a permis de toucher beaucoup, beaucoup de monde. Quand vous rencontrez 30 millions de personnes, ça vous donne une nouvelle perspective. Hein. Quand vous êtes dans une consultation face à face avec une dizaine de personnes par jour, c'est une certaine manière d'être et une certaine mission aussi. Mais là, on monte d'un niveau. Et là, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. C'est une véritable gangrène qui touche à la fois le surpoids et qui touche à la fois le diabète, à tel point qu'aujourd'hui on parle de diabésité. On ne parle plus de diabète, on parle de diabésité parce qu'on a identifié la cause commune qui est le sucre, enfin le sucre et tous les glucides rapides, et l'insuline. Donc on découvre quelque chose de complètement différent. On était dans un train, on voyait personne face à face, et puis d'un coup on voit un train qui se dirige, un train entier, et là on comprend que c'est tout à fait autre chose, c'est un fléau.